Bonjour, chers amis de Billy Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. Good day, dear friends of Bill and Bob, dear light workers and nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B, I'm an empath alcoholic. Bienvenue ici après les Agali, cette petite vidéo-là que je fais tous les jours sur la chaîne Rising from the Shadows. Welcome to Pretty Agali here. On this little video that I do every day for you on the Rising from the Shadows channel. Aujourd'hui, c'est super doux. Hein? Today it's super mild, mais il n'y a presque pas de soleil, almost no sun. Il y a une petite neige qui tombe là, puis on dirait là, que c'est sur le point de tourner en petite grésille. There's a little snow that's falling, and it seems like it's about to turn into like a freezing snow type of snowfall. Ah, encore en train de marcher la terre de Prairie Agadi ici pour faire cette petite vidéo-là pour vous. Hein. Aujourd'hui, je coupe pas beaucoup de bois, je prends ça mollo. Still walking the dirt, the land here, hein, to do this little video for you here at Prairie Agadi. Today, I'm not cutting a lot of wood. I take it metal. Mais je vais quand même vous lire la réflexion quotidienne de Alcoholics Anonymous World Services. But I'm still going to read to you the daily reflections from Alcoholics Anonymous World Services. Donc là, on est rendu à la lecture. On est assez le 13. Hein? La lecture du 13 février. So now we're at the reading. Oh non, c'est pas le 13, c'est le 23, excusez. Le 23 février. So now we're at the reading of February 23rd. Yes. 23rd of February. Aha. Bon, OK. J'ai mis le couvert de la version anglaise. I'll put it like that. I like better the cover of the English version. Well, it's newer, hein? The French version is the same cover. It's more recent. Hein? They changed it. English and French is the same cover. Hein? La couverture, hein, du livre des réflexions quotidiennes, en anglais et en français, c'est la même couverture. La seule différence entre les deux, c'est que lui, il est plus vieux. This one is older, you know. Anyway, c'est pas grave. It doesn't really matter. It's all the same. February 23rd. Mysterious paradox. Such is the paradox of AA regeneration strength arising out of complete defeat and weakness. The loss of one's old life as a condition for finding a new one. This comes from AA Comes of Age, page 46. Le 23 février, le mystérieux paradoxe. Tel est le paradoxe de la régénération chez les AA. Une force qui naît de la défaite et de la faiblesse totale. La perte d'une ancienne vie comme condition pour en retrouver une nouvelle. Ça nous vient du mouvement des AA devient adulte, la page 47. Les paradoxes constituent des mystères fabuleux. On ne peut les expliquer, mais admettre leur existence et les accepter, c'est réaffirmer qu'il y a dans l'univers quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Affronter la peur me donne du courage. Aider un frère ou une sœur augmente ma capacité de m'aimer. Admettre que la souffrance fait partie de la croissance me rend plus heureux. Considérer les côtés sombres de ma vie m'apporte de la lumière. Accepter mes faiblesses et capituler devant une puissance supérieure me procure une force imprévue. Je suis arrivé chez les AA en débutant, rejeté de tout et n'attendant plus rien de la vie. Pourtant, j'ai reçu espoir et dignité. Le miracle, c'est que pour conserver les dons reçus du mouvement, il faut les transmettre à d'autres. What glorious mysteries paradox are? They do not compute yet when recognized and accepted, yet when recognized and accepted, they reaffirm something in the universe beyond human logic. When I face a fear, I am given courage. When I support a broken
a brother or sister, my capacity to love myself is increased. When I accept pain as part of the growing experience of life, I realize a greater happiness when I look at my dark side. I am brought into new light. When I accept my vulnerabilities and surrender to a higher power, I am graced with unforeseen strength. I stumble through the doors of AA in disgrace, accepting nothing from life, and I have been given hope and dignity. Miraculously, the only way to keep the gift of the program is to pass them on. Faut donner pour recevoir. You have to give to receive. C'est drôle, hein, dans la lecture, hein? La complète défaite, c'est ça qui nous a amené au mouvement, puis qu'il nous a appris à vivre, hein, puis à apprendre à être heureux, joyeux et libre. Hein. See, it's funny, hein? That's what they say. Complete defeat is what brings us to AA, and to, by that, learn the steps and learn how to live happy, joyous, and free. On voit ça dans plusieurs mouvements spirituels, and we see that in very a lot of spiritual movements. Le catholicisme, hein, and the Catholics, they have, we have the baptism. Hein. Nous, les catholiques, on a le baptême. Ça a été transformé, ça a été fait pour les bébés par après. It's been transformed a bit, like for babies at the beginning, because you join the family of the Lord when you're born. Hein, parce que tu joins la famille de Dieu quand tu es né. Mais au début, le baptême, c'était quand quelqu'un qui convertissait, hein, au catholicisme. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un convertit au catholicisme, il faut qu'il se fasse baptiser. Hein, you see? Still today, when someone converts to Catholicism, has to be baptized. Puis, you also see that in the Christians, hein, when they call themselves newborn Christians, hein, le christianisme, hein, les nouveaux-nés chrétiens. Hein, pour eux, c'est comme, for them, c'est comme abandonner ou mourir d'une ancienne vie pour pouvoir renaître dans une nouvelle. For them, it's like either abandoning or dying in the old life, to be reborn again into the new one. Ouais, c'est ça. Puis ça, on voit ça dans plusieurs courants du Moyen-Orient aussi, in the Middle East, là, all these different currents, and more in the East also, dans l'Est là, aussi, plus comme les Hindous, Indians, and others, et d'autres. Moi, j'adore ça, cette idée-là de renaître dans une nouvelle vie après avoir manqué la vieille. Hein. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est comme si on s'est comme fait pardonner à quelque part pour qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Me, I really like that ideal of like re-being born again. Because it kind of makes us like into a state of mind that like we've been forgiven, you know, so it takes away a lot of the pressure. Ça relâche beaucoup de pression du passé, from the past, hein, you know. C'est ça. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Bill et Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. I thank you so very much, dear friends of Bill and Bob, dear light workers and nature lovers. Mon nom, c'est Chad B. Je suis un collègue en pâte. My name is Chad B. I'm an empath alcoholic. Je vous souhaite tous un merveilleux 24 heures. Prenez soin de votre établissement. I wish you all a very wonderful 24 hours. Take care of your recovery. Je vous aime.